Pour finir, on va partir un petit peu les anecdotes et savoir un petit peu qui est qui en soirée, lequel va être le plus fêtard. Il y a un battle là. Hein. Je dirais Kiko. Ouais. Sur la longueur. Ouais, sur la longueur peut-être. Sur la longueur de son palmarès, ouais. Si tu veux. Toutes ces années. Ouais. Toutes ces années, ouais. Mais, peut-être moi. On a chacun nos périodes. Ouais, vous voyez bien. Ouais. Si vous êtes bien fêtard, le plus danseur, le meilleur danseur des trois. Ah, moi, Olivier. Olivier. Sans hésitation. Ouais, ouais. Il fait des chorégraphies, c'est bien. Quoi. C'est incroyable. C'est pas drôle. On fera ça en antenne aussi. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est sérieux. Sauf vous trois, est-ce qu'il y en a à qui il arrive toujours un truc inimaginable, qui arrive toujours en soirée, qui dit « Putain, il vient de m'arriver ça ». Ben Olivier, par exemple, tu te rappelles quand... Ouais, c'est regarde ce que tu vas raconter. C'est la première fois qu'on arrive au Rex. Ah, Ouais, on va pour installer le matériel de Funky Data. Bah, faut savoir qu'au Rex, à l'époque, ils faisaient des thés dansants. Ouais, et l'après-midi, en fait. Ouais, ils avaient un parquet, mais hyper glissant. Ah ouais, c'était le parquet. C'était pas Funky Data, c'était une des toutes premières soirées label. Ah ouais. Ozone. Il a pris une gamelle. Et j'arrive, trop content, première fois au Rex. Première fois au Rex. Il a volé. J'arrive, j'ai volé. Mais cool. Mais cool, je me suis bien rendu tout de suite. Ouais, alors les patines sont là-bas, d'accord, ouais. C'était une fois, rappelle, non. Ouais. Mais sinon, un deuxième truc, après. Mais il y en a plein. On fait une interview pour. Mais il y a des trucs pas racontables quand même. Pour MCM ou MTV ? Tu sais, à Paris. MCM. MCM ou. Il est comme ça, et donc il répond à la question, et de seul coup, il glisse. Non, mais c'est que des connards. Du coup, c'est moi. Les trucs les plus improbables, c'est Olivier. Moi, on en a tous eu, parce que dans leur métier. Il y a des temps où je me retrouve. Mais il y a des trucs. Dans des after improbables. Il y a des chiens, il se fait courser par des chiens et tout. C'est vrai, en plus. Je me suis fait attaquer par des chiens. T'as pas perdu une chaussure en sautant dans le taxi aussi une fois, non ? Il me semblait. Non, c'était toi ou. Non, c'est pas moi. Mais c'est vrai qu'en Roumanie, je me suis fait attaquer. J'ai tourné pour le cercle. Et donc, c'est en Roumanie, donc dans la montagne. Et le soir, on va manger tous ensemble la veille. Et ils me laissent parce qu'ils avaient pris une baraque et moi, j'étais à l'hôtel. Et je repars tout seul et là, je vois 6 chiens qui, en face de moi. Qui des chiens roumains, en plus. C'est pas les mêmes. Bah, je parle un peu roumain, du coup. Mais... Chelou. Et du coup, en plus, je leur raconte ça et ils m'ont filmé, ils l'ont mis. Ils m'ont mis en story sur ça. Ces enfoirés. Enfin, comment tu t'en es sorti de ces chiens-là? J'aurais parlé. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis reparti. J'ai négocié. Ah non, mais c'était flippant. Ouais. Donc c'est moi, du coup. C'est Olivier. Et de vous trois, quel est le plus impatient de refaire la fête? Là, c'est tous les trois. Ouais, c'est tous les trois. Ouais. Bah, tout le monde. Tout le monde, là-bas. Là, c'est chaud. Et vous? Je crois qu'on est impatient aussi. Alors, on vous a préparé un petit cadeau quand même pour la fin, pour finir l'émission. C'est un cadeau groupé. C'est un cadeau de groupe. Christophe, je te laisse t'amuser à l'ouvrir. Oh, j'ai peur. Non, t'inquiète, c'est pas piégé. Voilà, un petit souvenir comme ça que vous avez de Meet & Greet. Qui devrait lui-même vous rappeler des souvenirs. C'était le Ballroom. Ah ouais. C'est joli. Ah, chouette, ouais. Garde, cool. Des feutrines, top. Cool. Trop bien. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. Ah bah putain, c'est Fab. Il y a même Fab derrière. Bah merci, c'est cool. Super. C'était une belle soirée. Vas-y, donne à Michel. Oh, il faisait chaud. 50 degrés. 50 degrés, ouais. Ouais. Ah, il y a Fabio. Ah ouais, il y a Teki. Ouais. Bah ouais, je suis trempé, là. Non, ça se voit. Hein. Il faisait 50 degrés. Oui, c'était la fin, là. Ouais, je crois, ou c'était soit comme Vertigo, Michel le on n'a pas parlé du Vertigo, mais Vertigo qui est quand même un club mythique à Grenoble, où tu étais résident, enfin toi aussi. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais. On a fait Garnier, Jeff Mills. Ouais. Je me suis rappelé de ça l'autre jour, Jeff Mills au Vertigo, quoi. Ouais. Richie Hawtin voulait venir, mais on a dit non. on s'est dit, il ne va pas remplir. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour Merci à vous pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour ce petit cadeau.